Yo les gars, c'est Sunasta. Alors dans cette vidéo, je tenais à vous raconter une petite anecdote, mais aussi une malheur qui s'est passée il y a 3 jours. Oui, il y a 3 jours, j'étais en train de faire une vidéo au premier monde, voilà, et j'étais en train de flex avec mon léopard. Sauf que, il s'est passé un truc que j'avais pas du tout prévu en fait. Heureusement que j'avais pu enregistrer ce petit moment parce que j'ai une application dans mon PC qui permet d'enregistrer à n'importe quel moment, même si j'avais pas voulu commencer l'enregistrement. Comme vous pouvez le voir, là j'étais au premier monde avec un fruit de léopard qui se trouve tout en bas, voilà. Et donc j'étais en train de flex avec, sauf que... Il s'est passé une petite malheur. Voilà, de base, je crash, comme d'habitude. J'adore crash. Sauf que cette fois-ci, j'avais pas crash. Je pense que ce que j'ai fait est impardonnable. J'avais le pas dans mon inventaire. Heureusement que je n'ai pas quitté avec Alt F4 parce que je n'aurais pas pu avoir cet enregistrement. Du coup, après avoir perdu cet léopard, l'idée m'est venue de trouver un autre léopard, voilà. Un autre léopard, je ne sais vraiment pas comment je peux faire pour trouver un autre léopard. Mais mon objectif dans cette vidéo, c'est de pouvoir retrouver un nouveau léopard. Normalement, après avoir donné pas mal de fruits, voilà, un cadeau, je pense que la communauté est gentille, ils vont accepter. Mais je sais que personne ne me le donnera gratuitement, ça c'est sûr, oui. Ils vont toujours vouloir que je mette quelque chose en retour et tout, oui. Tout d'abord, je vais leur demander de me donner un fruit de léopard gratuitement. Une fois qu'ils auront accepté, j'ai un fruit à mettre en retour, voilà, qui est là. Parce que dans un salon de trading, je ne pourrais pas l'avoir gratuitement. Du coup, j'ai décidé de mettre 1 kg perma. Voilà, ça va un petit peu compenser le retour. C'est vrai, ça va être un arnaque. Mais de base, n'oubliez pas que le mec, il va accepter de me le donner gratuitement. Donc, ce n'est pas vu comme du scam. Parce que de base, il allait me le donner gratuitement. Sauf qu'on ne peut pas, trader un fruit gratuitement. À moins qu'il ait la chance de le random devant mes yeux. Là, ça change tout. Sauf que pour le random, il y a environ 0,06% de chance de le random. Ce qui est carrément impossible de l'avoir. Bref, là, je vais aller dans une game publique parce que là, je suis en serveur privé. C'est pour ça que je suis tout seul, voilà. Bruh. Comme d'habitude, on est tout seul dans un serveur. Je sais même pas ce qu'on fout là-dedans, fait tout seul. On va aller dans un serveur public. On va d'abord aller dans les serveurs français. Dommage qu'il n'y a plus les serveurs français. Du coup, quand on écrit FR, on ne trouve rien. Du coup, je sais juste que dans les serveurs de Germanie, voilà, à la Hesse. Au quartier, c'est la Hesse, la moitié du checker et au Hesse. À la reste, on peut trouver des gens, on peut trouver des joueurs français, voilà, des joueurs qui jouent en français. Et la plupart des joueurs, en fait, ils me connaissent bien. Du coup, si je trouve de, si j'ai de la chance, je pourrais trouver un serveur bien rempli de français et leur demander. Bien, 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 bien. Alors, bon, nous voilà dans un serveur de Germanie. Ah oui, on est à la reste. On va voir s'il y a des joueurs français. S'il y a des joueurs français, ça serait vraiment pas mal. Parce que je sais que si je trouve un joueur anglaise et qu'il ne me connaît pas, c'est sûr à 100% qu'il va pas accepter de me le donner gratuitement. Il va me mettre de droite à gauche. Du coup, notre but, c'est de trouver un joueur français. Bon, dans ce serveur-là, je pense qu'il n'y a pas de joueur français. On va changer de serveur. Allez, on va aller au Kingdom. Ok, ça c'est full. Ça c'est full. Ça c'est pas full. Nickel, let's go au Royaume-Uni. Ah bah, j'espère juste qu'ici, on va trouver des joueurs français. Donc, il y a personne. Non, il y a personne qui répond. Il y a personne qui répond. 2000 years later. Ah, il y a un mec qui est là. Wesh, c'est pas, c'est plus du français là. On va directement droit au but en fait. Est-ce qu'il a un léopard? Je pense même pas qu'il a un léopard en fait. Oui, mais je l'ai graille. Bruh. Il l'a mangé. Bruh. Wesh. Bon, on va changer de serveur. Ok. Là, on se retrouve dans un serveur de Germanie. Dans le serveur de Germanie, il n'y a rien? Non, je ne pense pas que ça va être facile que ça. Je sais même pas s'il y a des joueurs français. On verra ça. On va juste écrire un salut tout le monde. On verra s'il y a des joueurs français, ils répondront directement. 3:28 AM. Ah, il y a des gens qui faisaient du 1v1 ici, hein, à ce que je vois. Wesh, ils sont en train de faire du PVP. Waouh. Attention. Un ice scissor qui se balade dans les airs. Incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est des dash ça?
One eternity later. Il m'a bien fait d'abord bien balader pour que je le tue, ce mec. Ah. Alors, nous voilà dans un serveur de Kingdom au Royaume-Uni. Et là, je me retrouve depuis ici. C'est pas normal. Attends, on va d'abord commencer par écrire un salut tout le monde, le temps que je vais au café. Le temps que les gens vont répondre, je vais aller au café, moi. Enfin, je pense qu'il y a un français parce que j'ai vu, c'est marqué « Keep Ride Low ». Il s'appelle MK, je sais pas quoi. Je pense pas que lui puisse avoir un léopard. Alors, il a pas léopard? A few moments later. Non, désolé. Ah bah, il a pas léopard. Du coup, dans ce cas-là, on va changer de serveur. Vous savez, aujourd'hui, on va faire que changement de serveur. À un moment donné, je pense que ça va me saouler. Je ne sais même pas si au final, je vais finir par l'obtenir, ce fruit, en fait. Je sais même pas. Mais on va voir. Alors... Bon, avec mon salut tout le monde, je pense qu'il y a personne qui répond. C'est quand même incroyable. Vous savez quoi? Je vais d'abord aller au troisième monde pour voir si je peux avoir quelqu'un là-bas pour avoir un fruit. On va prendre un fruit de portal vite fait. Ok, let's go. Hop, téléportation doc 3. On va se rendre directement au troisième monde. Bien. Alors là, je vois déjà à peine rentrer. Ça se voit que c'est très dangereux. Aze fake bounty. Ok. Alors là, on rentre. Je sais pas vraiment s'il y a des joueurs français, mais normalement, le serveur, il a l'air d'être bien blindé que ça. Alors, salut tout le monde. Je sais même pas si on trouvera des joueurs français là-dedans. Six and a half hours later. Non, il n'y a pas de joueurs français. C'est quand même un peu galère, en fait. Vous savez quoi? Vu qu'on trouve pas de joueurs français, on va se rendre sur Discord. Bon bah les gars, maintenant, on se retrouve dans notre fameux serveur Discord. Le serveur Discord qui se trouve directement dans la description de cette vidéo, là où tous les événements sont faits, mais aussi là où tous les giveaways sont réalisés. Donc, je vais commencer déjà par me rendre dans un salon de trading. Alors, on va aller dans le trading fruit, parce que c'est un fruit, voilà. Alors, on va déjà écrire qu'on veut trade. Vu que c'est moi qui cherche le fruit de léopard, ben je le mets de ce côté-là. Voilà. Du coup, moi, je sais pas ce que je vais donner contre un léopard. 3:28 AM. Ok, il y a un gars là qui m'a dit de venir dans trade 2. J'espère juste qu'il a un léopard, parce que s'il a pas un léopard, moi, je quitte l'avocat là. Hein. Alors, il est dans... Mais il est pas dans trade 2. Bon, on va aller quand même, on va se ramener, après on verra. Twinost vient de rejoindre trade 3. Allô. Twinost. Ouais, c'est moi, Twinost. Ouais, oui, bon, moi je suis venu, mais je cherche un fruit. Je cherche le fruit de léopard. Le problème, c'est que j'ai tous les fruits à part le léopard, mais... Ah bah... Toi, t'as quoi, là? T'as quoi? Contre le léopard? Oui, contre le léopard. Bah, j'ai rien à donner, en fait. Je cherche juste quelqu'un qui acceptera de me le donner gratuitement. Mais toi, t'as tous les fruits, sauf le léopard, ce qui est dommage. Bien, alors à plus, Khalil. Au revoir. Bien, au revoir. Twinost vient de quitter Trade 3. Alors maintenant qu'on vient de quitter, on va se balader dans le trade 1. Twinost vient de rejoindre trade 1. Oui, ça va? Ouais. Est-ce que tu as le fruit des léopards? Non. Ah, quel dommage. Day 2. Je sais pas comment je peux faire pour trouver le fruit des léopards. On va essayer de everyone pour voir ce que ça donne. En plus, j'ai écrit Léonard. Tu nous t'écris, oh là là, ok, everyone, on est everyone parce que je cherche un fruit de léopard, hop. Alors, on va voir les propositions qui vont être proposées, voilà, là j'ai Blizzard, j'ai pas, lui là il l'a, ok, ah bah là on a des propositions, waouh ça va vite là. Bon ben voilà, j'ai une très grande liste.
Je pense que je ferais mieux de supprimer le everyone parce que là, ça va faire everyone tout le monde. Bruh. J'ai supprimé le everyone, mais le everyone il est resté là. Je vais essayer de trouver Rapture parce que j'ai vu que ce mec-là, il l'a. Il a dit il va me rejoindre en game. Bon, on va lui dire de rejoindre ma vocale. Comme ça va être plus simple. On va aller dans un vocal qui va être appelé Tour Céleste. Winost vient de rejoindre Tour Céleste. Rapture vient de rejoindre ouais. Tour Céleste. Salut, ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Ouais, tranquille, tranquille. Du coup, monsieur Rapture, il paraît que t'as un fruit des léopards. Du coup, actuellement, je cherche un fruit des léopards, comme tu l'as vu dans le petit message. Le petit everyone, ouais. Voilà, j'ai bien galéré dans la game pour trouver quelqu'un, parce que le mien, je l'ai perdu. Et je cherche quelqu'un qui accepterait de me le donner gratuitement. Vas-y, vas-y, je te joigne. Vraiment? Ouais. Aïe! Les 29 millions de bounty! Enfin, je vais enfin pouvoir obtenir ce fameux truc. Bon, je vais te mettre quand même quelque chose. Vas-y. Je voulais mettre de base kilo, mais vu que tu l'avais déjà en perme, bah je t'ai mis ça. Ah, je veux bien. Ah, ça, je dis pas non, parce qu'à chaque fois que je me tape en ce moment 2 heures. Parce Ah. qu'en vrai de vrai, j'attendais que la personne accepte d'abord de me le donner gratuitement avant de lui donner ça, tu vois. Comme ça va pas être considéré comme du scam vu qu'il allait de base me le donner gratuitement. C'est comme si tu allais me le drop, mais je t'ai donné un truc en fait. Franchement, je te remercie beaucoup. Et d'ailleurs, je sais pas si tu étais au courant, mais là j'étais en vidéo. Vraiment. Ah Oui, je te l'avais pas du tout dit. Bien, vas-y. je suis très content d'avoir ce fruit. Vas-y, j'ai hâte de voir. J'ai enfin trouvé ce fruit de léopard. Je t'avoue que c'était quand même galère. Mais je pense que voilà à quoi ça sert vraiment le serveur Discord en fait, en vrai de vrai. T'imagines si je crash là? Non, je crash, non! Ah bah non, c'était une blague. C'était une blague. Ah, crache un kilo par les mains, comment ça doit piquer? Ah, ça va faire très très mal. Est-ce que t'as un dernier mot à lâcher dans cette vidéo? Dédicace à 2 kilos, mais couche de J'en champagne. étais sûr, j'ai juré quand j'ai vu le mot de qui dans ton nom là. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo et la prochaine fois, on va essayer d'obtenir un autre truc très intéressant. À présent, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé ce genre de concept, surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à lâcher un petit commentaire, comme d'habitude. J'ai vu pas mal de gens mettre des 9 sur 10. C'était pas mal en fait. Ça montre que mes vidéos, en fait, ils sont notées et qu'ils sont convenables en fait. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à lâcher des petites notes, voilà, dans les commentaires si vous ne savez pas quoi dire dans les vidéos. Bref, sur ce, moi je vous dis ciao et bon courage à Rapture et on oubliait de qui dans le dédicace, oubliait de qui. Ciao.